Salut les amis, c'est Cyril. Salut les loulous, c'est Kono. Et on se retrouve pour un nouvel épisode de Turbo aujourd'hui. On va tester un magnifique vélo chic année 2012. Exactement mon cher ami, et regardez-moi ces jantes et ces pneus incroyables. En parfait état. On a le mécanicien derrière nous. Bonjour monsieur. Il va nous refaire le plein. Let's go. Ben non, on est sur Yo-Kai Watch 4. Eh oui, FR bien sûr. Merci à Yonet Watch pour cette traduction. Ah oui. Alors, donc, qu'est-ce qui a été traduit par Nolan? Ouais. Après, le Nathan, le truc, c'est, Nolan, Nathael. Il n'y a pas forcément beaucoup de prénoms qui commencent par Na pour des garçons. Voilà, serait parce qu'il l'appelle Nechan. Hein. Bah oui. Alors, comment ils ont traduit le nom de ses amis? Parce qu'il faut savoir qu'en US, les deux garçons sont traduits, mais pas la fille. C'est vrai? Ouais. D'accord. Maud. Maud. Ah, il manquait un E, du coup? Parce que pour moi, Maud, ça s'écrit avec un E, à la fin. Ouais. Mais peut-être sans E, celui-là, c'est, ouais, ce prénom, c'est tout. Je ne sais pas. C'est pas un prénom que j'ai vu dans ma vie. C'est j'ai, ça. J'ai jamais croisé de Maud, hein, dans ma vie. Donc... Edgar, Baptiste et Maud. Oh, ça va. Pourquoi ils étaient appelés comment? Je crois que le fils de Balèze, je crois qu'il s'appelle Tank. le fils de Matt, je ne sais plus. Et... Elle était même pas traduite. Ouais. Son nom est même pas traduit. Okay. Donc là, en l'occurrence, ce sont les noms choisis par Yonet Watch. Oui, c'est pas mal. Franchement, ils sont bien. Je suis sûr que ce ne sont pas les noms officiels, les noms officiels US. Manami. Maud, ouais. Derrière le distributeur. Ah, on a oublié de lire le contenu de la quête. Ah, on le lira après. Nouvelle quête. Tuto. Ah, je crois que c'était un tuto. Non, c'était pour te montrer la direction. C'est juste pour le suivi. Alors, Nolan, le frère d'Alizé, ses amis sont suivis, espionnés et effrayés par une ombre étrange. C'est inquiétant, il faut absolument trouver l'identité de cette personne. C'est bien. Ouais, c'est très bien, franchement. Je valide, moi. Je vois pas de faute. Non, je valide l'explication, c'est bien. Attends. Est-ce qu'on peut, genre, annuler le surnom? Parce que tu vois, eux, on peut réinitialiser. Mmh. Donc je vais voir si eux, on pouvait, tu vois, ça évite d'avoir les caractères espacés comme en japonais. Oui, bah oui. Tiens, les paillettes. Navi Wouf ! Je prends pas les paillettes. Mais je veux mes paillettes, moi. Ça fait toujours des items utiles. Celle-là, t'aurais pu t'en passer de cette paillette. Bah, tu les voulais pourtant, les paillettes, hein. Un estomac en plastique. Mmh.
Comment tu peux sortir un estomac, je t'avouerai. Il n'y a pas que Fudomio, hein. Il y a les autres aussi. Hein. Mmh. Ouais, c'est intelligent de justifier ça comme ça, de dire ouais, en fait, on veut pas utiliser Fudomio pour ne pas mettre au courant de potentiels ennemis. Bah c'est ça. Qu'on a autant de force à notre disposition. C'est ça en fait. Mais justement, bon, réfléchissez. Bah, qu'est-ce qu'est t'as plus qu'à devenir un modèle anatomique. Hein, c'est si ça. Tu veux, si tu veux. J'ai un plan à vous proposer. C'est Thomas. Hein, qui... Alors, c'était toi qui refusais le plan. Hein. Direction le parc ovale. On y était il n'y a pas longtemps, mais bon. Tiens, mouche. C'est peut-être un détail, mais j'aime bien le fait qu'il l'entoure. Mm-hmm. Que les trois garçons l'entourent. Ouais. Pour la protéger. C'est bien ça. Dégage la mouche. On se fait attaquer. C'est ça. Nord d'Emerade. Nord d'Emerade. Nouveau quartier. Ah, peut-être. Yahoo, le vélo, mon meilleur ami. De toute façon, c'est... Ouais, quartier d'Emerade. Ouais. D'Emerade. C'est quand tu es à l'école. Quartier d'Emeraude, quoi, entre guillemets. D'Emerade. Mm. Emeraude. Ah, mais tu dis, oui, on va à l'école au quartier d'Emeraude. Tatsumi Hawabata. Kawabata. Nord. Tiens, de l'autre côté, t'as le petit point. Tu m'as cassé les pieds avec les paillettes. Ouah, tu as toutes les paillettes. Donc, on va choper les paillettes. Ah, parce qu'il risque d'y avoir peut-être. Du remue-ménage. Bah après ça va être le boss. Je sais. Et puis bah, ça va être la fin du chapitre. Ouais. Donc la fin de cette série pour le moment. Hein, parce que de mémoire, le chapitre 3 n'est pas encore dispo. Bah pour moi non plus, tiens, une porte B. Alors sachez que du coup, bah, lorsqu'on aura atteint la limite de la traduction, on stoppera cette série. Exact. Et on la reprendra quand tu auras une mise à jour du patch. Sandwich, hamburger et magnum. Ça va, t'as de quoi faire un repas. Pourquoi ils jettent leurs trucs ici aussi, bande de dégueulasses. Ouais, bah qu'est-ce que tu veux. Allez, vas-y, tu tiens le bon bout. Ouais, vas-y. Vas-y, t'es un winner, t'es un champion. Le sérac qui s'éclate. Bon, on va prendre la petite paillette bleue. Il faut savoir encourager. C'est vrai, il faut savoir les encourager. Un foie en plastique. Après l'estomac, on a le foie. Bah écoute, hein. Ah, ça tombe bien, j'en cherchais.
intestin en plastique. Eh oui, le labo de l'école. Il a encore laissé traîner ses trucs. Tant qu'il ne fait pas tomber, c'est... voilà. Un cœur en plastique. Oh là 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 là. Ah, donc rien. Forcément. Mmh. Bah oui. On va rechercher l'ombre yoga. Oh, c'est les parasites. La yocrasse, ça y est. Est-ce que tu veux faire la yocrasse? Comme tu veux. Ou tu veux qu'on fasse la yocrasse au prochain épisode? Au prochain. Au prochain épisode. Excusez-moi pour mon accent. Ouais, on va peut-être faire ça au prochain épisode. D'accord. Donc c'est là qu'on se quitte, mes amis. On espère que ça vous a plu. Lâchez un pouce bleu à Michi. Oui, je l'ai vu, c'est pour ça. Il y a un Michi. Regardez bien où est le Michi. Ah, celui-là, il n'a pas été traduit. Marc Triptyque 16. Parce qu'ils ont tous un nom spécifique. Oui, ils ont tous un nom. Donc les 130. Non, il n'y en a pas 130, je crois pas. Il y en a 100 dans le jeu de base. Il y en a 100 dans le jeu de base. Et il y en a quelques-uns qui ont été rajoutés avec le DLC. Oh, cheeseburger, ça me donne envie de manger un hamburger. Avec un œuf. Bah, si tu veux. Ouais, mais il faut décongeler les burgers. Les steaks sinon, Costco. Sinon, tu prends ton téléphone et t'appelles les parents qui sont en course. Tu leur dis de ramener quoi faire des burgers. Bref, c'est là qu'on se quitte, les amis. On espère que ça vous a plu. Lâchez des pouces bleus, commentez, partagez et abonnez-vous. Ouais, on se retrouve demain pour la suite et peut-être fin. Du exactement. Coup, hein. La fin va pas tarder. Quoique, il y a pas mal d'histoires après. Ouais. Donc, je pense que ça va peut-être durer encore peut-être 2 épisodes avec toute l'histoire. Mais voilà. Ça sera bientôt la fin. Je pense qu'on finira cette semaine, du coup. Voilà. Gros bisous à vous et à demain. À demain.